Yop tout le monde, c'est Orano et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Metro Exodus. Salut Artyom, t'as trouvé le bunker? Toujours pas. Ah, ça sera bien de le trouver rapidement. Oui bon, ça va. Et je suis actuellement dans le désert. Je viens de faire vite fait un petit tour jusqu'à la tour là-bas pour voir ce qu'il en était. Parce que je venais d'arriver dans la zone, il y avait des bandits qui parlaient par radio, etc. Et du coup. Oula. Waouh. Putain, c'est. C'est chaud de conduire avec ça. Et du coup, maintenant, je dois aller au phare. J'ai une voiture qu'on m'a donnée, mais en même temps, je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller en voiture. Parce qu'y aller en voiture, ça implique de pas spécialement fouiller la zone, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, je vais plus vite. Mais je ne fouille pas. Donc, est-ce que ça vaut bien le coup? Hop. Putain, c'est. De toute façon, faut rester sur les routes avec ce truc-là, c'est même pas la peine d'essayer d'en sortir. Ok. Alors, on peut continuer et explorer les points d'intérêt. Oh, tu sais ce que j'ai oublié de faire? Sors de là. Je vais retourner tout en haut du bâtiment et explorer les points d'intérêt. J'ai oublié de faire ça le dernier coup, je suis trop con. Hop. J'ai complètement oublié. Alors que c'était quand même un des seuls intérêts de la zone, hein. Non, c'était aussi de nous donner un fusil à pompe méga stylé. C'est vrai. Bon. Maintenant qu'on est là, on va pouvoir le faire. Essayer de choper tous les points d'intérêt que j'aurais pas encore réussi à choper. Putain, ça va loin, hein, là-bas. Bah. Voilà. Okay. Donc là, il y a des satellites. Le phare. Il y a l'air d'avoir un petit poste de garde devant. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, on a vu des petites bestioles. Ça, l'antenne, on sait pas trop. Donc le petit village désert, on s'en fout. Masse bateau, masse truc. Je suis désolé, ça fait peut-être 3 fois que je regarde, mais j'ai envie d'avoir la plupart des points d'intérêt. Il est possible que j'en rate, fort possible que j'en rate même. On va pas se mentir. Il y a l'air d'avoir beaucoup de sable pour rien. Hein. Aussi. En même temps, c'est un désert. Je pense. Je veux pas présumer, hein. Mais je pense que ça a un lien. Allez, on redescend. On va s'arrêter au prochain point d'intérêt. Je me demande si les tempêtes, on les voit arriver de loin ou pas. Ou si c'est juste scénarisé. Donc la prochaine. Okay, la prochaine truc. Et pas si loin que ça. Je vais même pas regarder l'intérieur du véhicule. Bon, y a rien d'intéressant. Des serpents. Ah, des mutants. C'est sur la droite. Le baron va parler. Vous pouvez s'écraser ou pas? Le baron vous parle. La truffe, qu'est-ce qui se passe à l'aérodrome? Les gars disent que ça grouille de monstres. Je croyais savoir demander de faire le ménage, de récupérer tout ce qui pouvait nous servir, surtout les flingues. Comment se fait-il qu'on perde autant de bon matériel? Les gars se foutent sur la gueule pour mettre la main dessus. Ils n'ont pas l'air de comprendre que c'est toi le responsable. Tu manques de main-d'œuvre? C'est trop de responsabilité pour toi? Je vais te dire. Mais si tu te sens à la hauteur, je veux des résultats. Autrement, je pourrais prendre ça comme un affront. Repos tout le monde.
Le baron a parlé. Eh ben. Quand il parle, lui. On sait bien ce truc-là ou pas? Donc c'était le pont à côté. Mais what? Pourquoi il y a du feu qui sort de l'eau? Tout va bien. Tout va bien. Bon, je pense que c'est cette zone-là. Faut que j'aille à l'étage, j'ai l'air d'avoir des trucs à ramasser. Mais j'ai vu plein de mobs aussi tout à l'heure. J'ai vu plein de mobs. Bah. Voilà, merci. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? Ça met des trucs intéressants là-bas. C'est pas des petits oiseaux qui vont m'emmerder. C'est ça, ça c'est le sniper, c'est ça? Ça c'est le sniper, c'est dommage, je suis obligé de garder le ticard et tout. Moi j'aurais bien pris une quatrième arme. J'aurais bien pris une quatrième arme. Non, attends, on va faire le tour parce que c'est le coup que je perds de la vie. Attends, il y a un campement là, j'ai pas vu. C'est pas un campement? Oui, c'est des tentes. Non, on peut pas. D'accord. Je crois que c'était un truc important, mais non. Bon, et on récupère la voiture, on va au prochain point de. Le prochain point d'intérêt. Ouf, j'ai failli me casser une jambe en faisant ça. Ça aurait été tragique. Ça aurait été tragique. Alors, non. Je me trompe de touche, tout va bien. Prochain point, par là-bas. On s'en va en tout cas. C'est bien ça, hein. Hop là. J'aurais peut-être utilisé la route quand même, non? Oh non! Pourquoi il y a un cimetière de bateaux ici? C'était la mer avant ici? Bah oui, remarque, il y a le port pas loin. Le phare pas loin. Waouh! Waouh! On va s'arrêter là. Bah oui, il y a le phare pas loin. Du coup, les bateaux étaient probablement dans la mer. Qui s'est retiré pour une raison X ou Y. Et du coup, bah, il y a plein de bateaux. Mais il n'y a pas d'eau. Ils ont l'air vachement rouillés quand même. Donc à mon avis, ça doit faire un moment que c'est comme ça. Je suis pas un pro en nucléaire, mais est-ce que ça peut assécher des mers? Enfin, des mers, non. Elle n'a pas été asséchée. À la limite, le niveau de l'eau a baissé, mais... Bien baissé, pour le coup. On doit pouvoir aller là-dedans, je pense. Oui, effectivement. Effectivement. Ok. Faut que j'essaye mon ticard avec les trucs explosifs pour être discret. Oui, remarque, ils sont discrets aussi là-bas, hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Wow! On se calme le... Putain. Faut bourriner le QTE.
se calme le rat. C'est impressionnant quand même, mine de rien. C'est du gaz qui... Est-ce que je perds de... Comment que ça... Je comprends pas. Bon, à mon avis, il faut faire gaffe quand tu passes dans l'eau. À mon avis, il faut faire gaffe. Bon, non. T'inquiète pas. Ça ne va pas mal se passer si tu passes dans l'eau. Qu'est-ce qui te fait dire des choses pareilles? Ah, mais... Là, on peut pas aller dans le bateau, là? Pareil, y a pas un truc à fouiller là-dedans? Un gros bateau? Ça a pas l'air d'être un gros bateau, en fait. Il a pas l'air si gros que ça. Si, il a l'air gros. J'ai rien dit. Il est très gros. C'est un gros bateau. Un magnifique gros bateau. Avec dedans... des compos... et des compos. Ah, c'est mieux. J'ai vraiment du mal à voir quand il fait sombre. Mais c'est normal, Aura. C'est parce qu'il fait sombre. Ils se battent entre eux. Ah putain, faut que j'arrête d'activer mes lunettes de vision nocturne quand je vais ouvrir la map. Hein. C'est ça le prix. 3 soins déjà. 3 soins en pas grand chose. La prochaine qui vient, je l'atomise. Je lui atomise la gueule avec ça. Vas-y, on va faire un peu de soins. Petit quart. Ah, parfait. Je peux mettre une crosse et poignée qui réduit le recul. Qui ne voudrait pas? Qui ne voudrait pas réduire son recul, qui augmente le recul, pardon. Parce qu'évidemment que tout le monde veut réduire son recul. Du coup, mon message ironique perd tout son sens. Quelque part. On passe entre l'eau, sur moi. On va passer dedans. Hop. S'arrêter là, on va explorer un petit peu manuellement. Oui, bonjour. C'est quoi, c'est le vent qui fait ça? T'as l'ambiance au niveau du vent, pouf, un démon, un lapin. Démon, lapin, c'est pareil. Par là-bas. Bon, faut faire gaffe que si je tire, de pas être à côté de la cible. Là, ça va faire boum. Ouais, si c'est bleu comme ça, ça doit être du gaz ou du pétrole. Ouais, ça fait des bruits de pétrole. J'ai l'impression que c'est du pétrole. Ah, il y a des habitants ici. Ou un petit atelier peut-être. Wow. C'est rigolo comme munition. Enfin...
Peut-être que pour eux, ça l'est moins. C'est pour brûler les gens vivants. Ces concepts. Putain, le ticard, c'est devenu un lance-flamme. Est-ce qu'on peut tuer les démons facilement avec ça? Bon, on va pas les cramer parce que... Enfin, je fais ça en les cramant, je dis ça, mais... Je rappelle que elles ont coûté quand même un bras à Kraft. Hop. Putain. Juste au moment où je mets mes lunettes de vision nocturne. Parce que je me dis en fait, s'il y a des pièges, c'est sûrement qu'il y a des gens qui sont planqués. Donc je vais être discret. Putain la connerie. C'est pas des gens qui sont planqués. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, pas ça. Je suis à l'intérieur donc ça va. Putain mais j'ai tout mon clavier qui est décalé. C'est chiant. Voilà. Donc c'est effectivement une base. Sauf qu'il y avait des mobs dedans. C'est pas courant. Là on peut repartir. Ou c'est juste pour fouiller. Un tas d'os. Ne déconnons pas avec l'énergie, s'il te plaît. Là c'est la sortie, très bien. Il y a deux entrées. Très bien, je vais retourner là-bas parce que là-bas je voulais juste nettoyer mes armes, genre de truc, mais... Allons-y. On va nettoyer tout ce merdier. L'erreur. J'ai rien à pouvoir nettoyer là du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, le connerie, putain, je suis vraiment con. Améliore sensiblement la stabilité de l'arme. Ouais, c'est carrément plus stable, effectivement. Est-ce que je remplacerai pas ça? Je vais dire par le truc de sniper, mais ça me fait chier. En fait, je sais pas quelle arme remplacer. Les trois sont utiles. Je dirais même les trois sont méga utiles, en fait. On va sauvegarder rapidement. Non, c'est en train de sauvegarder. C'est en train de sauvegarder. Ok, on va aller sur le chemin qui est un peu plus loin sur la route. Hop. Voilà. Putain, j'aurais pas dû battre l'autre soin. Du coup, je peux pas réparer mes armes. Enfin, nettoyer. Bon. On y va, on fait toc-toc. Ou tu penses qu'il faut être plus subtil? Mais c'est des esclaves, ils m'emmerdent pas là.
Bonjour. Pardon, je suis juste un esclave de la flamme sacrée. Un esclave idiot. Je sais rien. Rien du tout. Le maître est là-haut, là-bas sur le bateau. Le maître sait tout. Tout. Des esclaves. J'ai l'impression que c'est les mêmes mecs qu'on a vu qui étaient un petit peu mutants. Non? Je travaille, Mirza. Tu vois, Mirza, je travaille très bien. Ok. Je travaille très bien, Mirza. Très bien. L'esclavage, donc. Très content. Bon, moi, ils sont pas agressifs. Pour l'instant, puisqu'ils ont parlé quand même d'esclaves guerriers ou d'esclaves combattants, je sais pas quoi. Trop bon câble. Pas coupé du tout. Mais... voilà. Panneau, le baron nous accorde le pouvoir de la flamme sacrée. Le pouvoir de la flamme sacrée. Oui. Très bien. Sauvegarde. Pourquoi un squelette saigne? Ça n'a aucun sens. C'est pas encore totalement un squelette, mais à mon avis, le sang, il l'a plus depuis un moment. Il y a un garde là-bas. Un autre véhicule ici. On va discuter avec le garde. Tu veux quoi, Mirza? Tu veux dire quoi, Mirza? Pas du tout. Pas du tout. Tu viens nous surveiller, hein? Tu viens du baron? Tu viens de la plateforme, hein? Non. Pardon, Mirza. Je suis un esclave idiot. Je sais rien. Rien du tout. Rien. Le maître est là-haut. Le maître sait tout. Oui. Ok. Eh ben, je vais aller là-haut, voir le maître qui sait tout. Après tout. Que. Hein? Pourquoi ça se passerait mal? Ils ont l'air tous si accueillants avec moi ici. Et puis la dernière fois, ça s'est tellement bien passé. Encore une religion. Putain, mais. Artyom au pays des sectes ou quoi? Tu donnes la vie. Tu rends le maître grand, presque comme toi. Tu donnes la force au maître de protéger ton esclave de l'ennemi. Oh là 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 là. Tu donnes la force à ton esclave de bien travailler. Tu nous réchauffes pour survivre. Mais sur quoi je suis tombé encore? Allô, Kudai Ole. Est-ce qu'il vénère les espèces de puits de pétrole que j'ai vus? Ils sont pas aussi cons que ça quand même. Remarque, les autres vénéraient bien un poisson. Qui es-tu? Tu fais quoi ici? Qui a laissé passer toi? Le maître t'attend pas. Va-t'en. Travailler toute la journée pendant que les autres esclaves deviennent guerriers et se battent pour la flamme sacrée. Je suis un champion de la flamme sacrée. Laisse-moi passer. Maintenant. Ah, un livre, très bien. Alors, juste avant d'apparier, il me dit « Attention au conteneur numéro 406, c'est une garnison spéciale pour tu sais qui. Tu en répondras de ta tête, de ma tête. » Et je suis censé faire quoi, moi, maintenant? On a perdu le contact en pleine nuit. Le temps s'est détraqué, le vent du nord soufflait si fort que j'ai failli me chier dessus. J'ai jamais vu le vague pareil dans cette flaque d'eau de toute ma vie. Le roulis était si fort que certains conteneurs, dont le 406, sont par-dessus bord en emportant deux membres de l'équipage. En quoi ça serait ma faute? J'aurais dû l'arrêter à main nue, peut-être? J'ai noté les coordonnées, j'ai fait tout ce que je pouvais. S'ils tiennent tant que ça leur cargaison, qu'ils aillent la repêcher au fond de l'eau. Allez ici, Paul Médi, interdit. Flamme sacrée va te punir. Ouais, c'est ça, je l'attends, la flamme sacrée. Fais comme tu veux, le maître va t'apprendre. Oh oui. Ouais. On lui dira. C'est quoi ces bruits bizarres? Je ne sais pas. Il est actuellement 6h20 du matin. Pas dans le jeu, hein, mais vraiment chez moi. Je fatigue. Je le vois. On
Ok. Rendez-vous. Et il ne vous sera fait aucun mal. Putain, je claque 3 soins par seconde. On a quand même vu plus rentable, hein. Là-bas. Il se rend. Je suis bloqué, ma carrière est finie. Elle aura pas été longue. Ah bah. Merde. Hop. Voilà. Très bien, bon. Bon. Bonjour monsieur. T'as l'air vivant. Plutôt bon signe, je suppose. Par contre, je me suis pris, enfin, j'ai pris des balles tous les 3 secondes. Du coup, j'ai pris des soins tous les 3 secondes. C'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. Là, il y a une échelle. J'allais la prendre plus tard, mais en fait, non, parce que ça va pas très haut, en fait. Ça va juste là. Il y a pas l'air d'avoir grand-chose à ramasser. Il y a 2-3 trucs, mais bon. Peut-être pour l'infiltration. On veut pas faire comme dans les autres métros, ou directement du soin. Je vous avoue que ça me simplifierait énormément la vie. Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas relevé, mais voilà. J'ai eu une bonne action. En fait, j'ai eu une bonne action quand j'ai tué les gars ou qui se sont rendus ou quoi. Ça m'a fait une bonne action, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai aidé du coup les esclaves, en quelque sorte? Ou rien à voir, je ne sais pas. Lettre du chef. Je sous-signais Arsène Moustaphin déclare par la présente que je suis le seul chef de mon peuple et non un minable traître comme nommé par toi. La crapule qui se fait appeler le baron. Au nom de tous les habitants de Canyon Libre, je te préviens que nous aurons plus peur de toi, que nous ne céderons pas non plus face à tes sbires. On en a assez, il n'est plus question d'être parqué comme du bétail, de voir nos jeunes hommes et femmes réduits en esclavage. Nous ne laisserons pas faire, nous allons prendre les armes et chasser tes chiens et tous vous tuer. C'est à ton tour d'avoir peur de nous, car nous luttons au nom de la liberté et nous mourrons tous pour la liberté s'il le faut. Et nous n'avons que faire de ta flamme sacrée, dégage de chez nous, car nous ne t'avons jamais envahi. Arsène Moustaphin, président du peuple libre du Camion Libre. Ça c'est des gens qu'il va falloir aider je pense. Ce serait sympa qu'on puisse les aider. Ça serait sympa, là, là. Avant d'aller en haut, on regarde un petit peu s'il n'y a pas des choses à fouiller en bas. Ok. Bon, il reste une échelle. Attends, c'est pas, on peut pas ramasser tout ça? Non. Bon, allez, il reste une échelle. Et après, il faut que j'oublie pas d'améliorer mon arme. Je viens de ramasser des compos. Donc ça c'est le peuple du canyon du coup. Le peuple du canyon qui s'est fait réduire en esclavage globalement. Les mecs qui sont dû venir, ils ont dit la flamme sacrée, des esclaves, là, là, sinon on te défonce. Bon alors après voilà, je résume très vite la conversation. Il y avait peut-être des mots en plus. Un ou deux. Une boussole améliorée. Que voilà une bonne nouvelle. Faudra que je pense à les check un établi.
Ah, c'est mieux. C'est mieux. Je sais pas si ça se voyait, mais depuis tout à l'heure... Bon, après, je suis fatigué, hein, ça joue aussi, mais... Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de plisser les yeux comme un connard. Mais du coup, c'est bien mieux. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Je peux pas. Non, je peux pas. Ah. On va fouiller toute cette zone là-bas. Avant ça. Hop. Réparer. Oui. Ça. Protège bras. L'attaque d'animal. Ouais. Utilise une multitude de capteurs et de programmes informatiques pour identifier les unités ennemies en mouvement. L'utilisation nécessite cependant un peu de pratique. Je sais pas trop ce que c'est, un détecteur de mouvement. Ah oui. 6 coups. 6 coups, j'approuve. Est-ce qu'on testerait pas le sniper? Ah, je peux pas. Je peux vraiment pas. Je me demande. Attends. Le sniper plutôt que le fusil à pompe. Voilà, juste pour voir. Pour changer un petit peu. J'adore le fusil à pompe, attention. Hein. Mais j'ai pas changé avec le. Si j'ai pas changé avec le fusil d'assaut. Ah. Non. Si j'ai pas changé avec le fusil d'assaut, il y a une raison très simple. C'est tout simplement que. J'avais plus de munitions, en fait. J'avais trop de munitions de fusil d'assaut. Et je peux pas changer. Je vais essayer encore une fois de changer le ticard. Ça me fait chier de pas pouvoir, en fait. Parce que le ticard, c'est sympa, mais. Non, il change automatiquement le. On va garder ces armes là puisque je vais pas changer le fusil d'assaut vu le munition que j'ai. Et on va essayer le sniper vision nocturne. Alors comment je redescends. Attends pour remonter. Je vais dire comment je redescends, mais je peux monter déjà. Comme ça on va refaire. Oh le beau ciel bleu. Y'a pas une éolienne ou un truc? Une tyrolienne d'ailleurs. Tyrolienne, éolienne, ah si y'en a une. On va d'abord aller fouiller le truc là-bas. Voilà, on va fouiller ce truc là-bas. Hop. Pourquoi tu dudutes? Ah oui, le détecteur de... Putain, le détecteur de mouvement. Je sens que ça va vite me saouler le dudute. Ok, je vois comment ça marche. Ça peut être pratique effectivement, mais va falloir vraiment prendre le coup de main. Ok, bon. Très bien. On a déjà fouillé tout ce merdier. Bon, vas-y, on va prendre la tyrolienne. Hop, hop, hop. Par où je regrimpe? Je sais même plus. Y a pas une échelle que j'aurais ratée là? Ça va,
Dieu soit béni, c'était le seul truc que j'avais d'équipé. Putain, imagine j'avais une grenade ou un truc comme ça d'équipé, ben putain j'aurais moins fait le fier. Ah bah là, t'aurais moins fait le malin, c'est sûr. Bon, détecteur de mouvement, très bien. Faut que j'arrête l'épisode. Ouais, on va s'arrêter là. Attends, je vais faire un petit coup d'éolienne avant. De tyrolienne, putain, faut que j'arrête avec l'éolienne, moi. Je me bats pour les énergies renouvelables, même sans m'en rendre compte. Donc là, il y a deux mecs. Globalement, c'est assez simple. C'est comme un radar, quoi. Enfin, un scanner. Tout qui tourne. L'esclave a rien fait de mal. Rien. Non, mais t'inquiète pas, Billy. Je vais pas te défoncer. Tout va bien. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Est-ce que je peux pas vous dire Pardon Mirza, je suis un bon esclave. Oui, je m'en fous. Ah les gars. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. Si vous êtes content d'avoir soutenu les esclaves, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Metro Exodus. Allez, salut.